Alors ça me dit, est-ce que mon modèle globalement est bon ou n'est pas bon? Donc dans la stratégie usuelle, vous commencez par faire un test global du modèle. Dans un cas comme celui-ci, où le modèle n'est globalement pas significatif, vous pouvez arrêter là. Vous dites, bon, ben non. Soit j'ai mal choisi mes prédicteurs, première hypothèse, donc effectivement, le modèle est idiot. X1, X2 ne joue pas sur Y. C'est rarement le cas parce que celui qui fait des expériences a quand même des intuitions. Deuxième hypothèse, mes expériences sont difficiles à réaliser, j'ai une telle variation résiduelle que je n'arrive pas à mettre en évidence mes résultats. D'accord? Troisième point, je n'ai pas assez de données. Je n'ai pas assez de données compte tenu de la résiduelle. Maintenant, deuxième cas de figure, celui où le modèle est globalement significatif. C'est-à-dire, vous dites, ah oui, mon modèle, ce n'est pas du hasard du tout, il y a des choses. Il y a des choses, mais quoi? Alors là, vous êtes maintenant obligé de regarder coefficient par coefficient. Et dans la vraie vie, c'est ce qu'on va regarder. Donc dans la vraie vie, on commence par faire comme ici, on regarde le test global. Une fois que le test global est bon, ce qui marche presque toujours, on va regarder coefficient par coefficient pour voir l'influence d'une part de la densité de semis, d'autre part de la dose d'engrais. Alors, test des coefficients, on les prend. Hypothèse H0, bêta J égale 0, hypothèse H1, bêta J est différent de 0. On n'a pas ici du tout de raison de supposer que bêta J est positif ou négatif. Ça pourrait être le cas, mais dans l'ensemble, c'est généralement pas le cas. Alors, il nous faut la loi de bêta J chapeau. Alors, où est-ce qu'on en est là? Bêta J, c'est le paramètre réel, mais qui est inconnu. C'est une valeur, mais qui est inconnue. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'estimation. On a observé 1, on a observé 2. Alors, on a besoin de l'estimateur, de cette fonction. Alors, et on a besoin de la loi de cette fonction. C'est-à-dire, comment se comporte notre estimateur? Alors, on a vu, il est sans biais. Alors, continuons. Notre estimateur, il est sans biais, c'est-à-dire que son espérance, c'est bêta J. Ça, on l'a vu. On va supposer qu'il suit une loi normale. Alors, d'où vient cette loi normale? Cette loi normale, elle est garantie si vous avez des résidus qui sont normaux. Si les résidus suivent une loi normale, alors l'estimateur automatiquement est distribué sur une loi normale. Et si les résidus ne sont pas normaux, eh bien, ça converge relativement vite. Pas aussi vite que dans le cas d'une moyenne, mais quand même assez vite. Donc, vous voyez, la normalité, ce n'est pas un problème. La variance. Ben, la variance, où est-ce qu'on va la chercher? Ben, vous vous souvenez, variance de bêta chapeau, là, c'était le fameux x prime x moins 1 sigma 2. On va aller la chercher là-dedans. Hein. On va regarder sur la diagonale, puisque dans cette matrice, vous vous souvenez, il y avait des termes sur la diagonale qui étaient les variances. Hein. Alors pour ça, on a besoin de toutes les hypothèses. Alors on va chercher sur la diagonale. Alors c'est ce qui est écrit ici. On prend la matrice x prime x moins 1 et on prend le terme jj, hein, qui est à l'intersection de la ligne j et de la colonne j. Ça, c'est notre variance. Combien ça vaut? Je ne sais pas. Faut que je regarde sur le matrice, là, j'ai pas une formule analytique qui me le donne. Alors malheureusement, je ne connais pas sigma 2 ici. Donc je vais l'estimer, et du coup j'ai une estimation de la variance de l'estimateur. Je reconnais que c'est un peu compliqué, mais il faut rentrer dedans. On a un estimateur, on veut savoir comment il se comporte. Il a des caractéristiques de variance, ben, cette variance, je dois l'estimer à mon tour. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petits chapeaux, mais bon. Alors du coup, je prends la loi de bêta chapeau j sur moins bêta j, donc là je centre, et je divise par l'estimation de l'écart type. J'obtiens une loi de Student. Si je connaissais le vrai sigma 2, alors j'aurais une loi centrée réduite, une loi normale centrée réduite. Mais comme je ne connais pas le vrai sigma 2, et que ce sigma 2, je l'estime, alors je n'ai pas une loi normale centrée réduite, j'ai un T de Student qui a comme degré de liberté le degré de liberté associé à l'estimation de la variance. Donc c'est un raisonnement qu'on a déjà vu de nombreuses fois. J'ai au départ mon estimateur qui suit une distribution normale, je centre et je réduis, je m'attends une loi N0,1, mais quand je réduis, je ne divise pas par le véritable écart type, mais par une estimation. Et du coup, j'ai une loi de Student. Et à partir de ça, je vais bâtir le test, puisque si H0 est vrai, ben si H0 est vrai, ça veut dire que bêta J vaut 0. Donc je n'ai pas besoin de retirer bêta J.
Donc si H0 est vrai, cette quantité-là est distribuée selon une loi de Student. Et si H0 n'est pas vrai, ben, si H0 n'est pas vrai, c'est pas une loi de Student parce qu'ici, j'ai un bêta J qui intervient. Donc, j'ai mon indicateur qui est tout simplement ce qu'on pourrait dire un coefficient normalisé. Hein. Je prends le bêta J, je divise par son écart type. C'est bien un coefficient normalisé qui est sans dimension, que je vais situer dans ma loi de Student. Hein. C'est bien ça l'idée. Alors, j'ai déjà fait ce raisonnement de nombreuses fois. C'est le même que pour la régression simple. Hein. C'est le même que pour les coefficients d'analyse de variance. Donc, je représente ici ma loi de Student, puisque je suis dans la situation sous H0. Bêta J vaut 0, j'ai ici une loi de Student. Lorsque mes valeurs de mon indicateur là sont dans cette zone, je vais accepter H0. Lorsqu'elles sont extérieures, je rejette. Donc autrement dit, mon coefficient bêta J, s'il est petit, j'accepte H0, s'il est grand, je refuse. Sauf que je ne raisonne pas exactement sur le bêta J, je raisonne sur un bêta J normalisé, hein, bêta J divisé par son écart type. Et ça me permet de le situer dans une distribution normalisée, qui est ici la loi de Student. Alors, dans l'exemple numérique, on va le faire à titre numérique. En pratique, on ne le ferait pas, puisque le test global conduisait à un modèle globalement non significatif. Mais on va quand même le faire, ici, simplement à titre numérique, pour illustrer les calculs. Donc, hypothèse H0, bêta 2 égale 0. Voilà. Alors, ici, vous avez les calculs qui sont faits. Je vous rappelle ici le sigma 2 carré, là, le sigma chapeau carré qui vaut 4. Alors ceci, ben, ça vaut 4 sur 4 égale 1. Alors où est-ce que je vais chercher ça? Je vais le chercher dans la matrice qui est dans Excel, parce que dans la matrice d'Excel, vous vous souvenez, vous avez le x' moins 1. Ce x' moins 1, je vais chercher le terme correspondant sur la diagonale. Donc petit travail à faire à la maison, assez fin, mais c'est ça qui vous permet aussi de comprendre, c'est de retrouver ce calcul en vous aidant de la matrice x' moins 1. Alors dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel, il vous sort tout ça. Le logiciel, il vous sort les coefficients. Tous les logiciels vous sortent ceci. On fait la division. Ici, on a 1. Alors ensuite, je prends mon indicateur normalisé. Donc ici, je divise 2 par 1. J'obtiens 2. Alors, j'obtiens 2. Maintenant, quel est mon seuil? Alors, j'ai une loi de Student à 1 degré de liberté. Donc le seuil est énorme, et il est à 12. Donc vous voyez qu'ici, c'est très, très largement non significatif. Je me répète, je l'ai déjà dit nombreuses fois, c'est des passages assez délicats qu'il faut comprendre. Vous avez besoin de toute votre attention. C'est pas à discuter comme si vous étiez au bistrot. Vous n'arrêtez pas depuis 2 heures. Soit dit en passant, vous seriez mieux au bistrot, vous ne seriez pas gêné par un peu de bruit là. Donc ici, on a un indicateur statistique qui vaut 2. Les bornes de significativité sont plus ou moins 12. Donc on est très très loin de la significativité. C'était attendu. Hein. C'était attendu. Donc, évidemment, on accepte H0. Alors, l'autre façon de raisonner, c'est par la probabilité critique. C'est une façon de voir si on est loin du compte ou pas. Alors ici, la probabilité critique, vous voyez, je place mon indicateur dans la distribution. Alors, pour être pas embêté avec les problèmes de signe, je prends l'indicateur, je prends sa valeur absolue. Je mets la valeur absolue de l'indicateur et moins la valeur absolue de l'autre côté. Comme ça, je ne suis pas embêté avec les problèmes de signe. Et puis, la probabilité critique, eh bien, c'est la probabilité d'être au-dessus. D'être à l'extérieur, ou d'être au-dessus en valeur absolue. Ici, elle vaut 30%. Donc, on est loin du compte. Ce qui était attendu. Vous avez quelquefois des cas de conscience. Le cas de conscience est celui où le modèle est globalement non significatif, mais vous avez un coefficient qui est significatif. Et là, c'est vrai que c'est un cas de conscience. Si on veut se placer dans un cadre strict d'interprétation, le test global que vous faites au préalable est une protection contre bien des ennuis. Donc j'aurais tendance à vous dire, prenez plutôt cette stratégie. Maintenant, si vous avez des hypothèses très lourdes, c'est-à-dire auxquelles vous croyez beaucoup, quand vous faites le test global, c'est pas significatif, mais la variable auquel vous tenez le plus, elle l'est à l'intérieur,
Là, vous avez une réflexion du deuxième niveau, c'est-à-dire est-ce que vraiment j'ai bien fait de rajouter des tas de variables qui me font du bruit finalement? Est-ce que j'ai pas eu tort de prendre beaucoup de variables qui finalement masquent un peu l'effet de cette variable auquel je crois et qui apparemment fonctionne? Mais là, vous êtes plus tellement vraiment dans le droit fil du test statistique. Maintenant, il n'est pas interdit dans la vraie vie d'avoir une démarche empirique. C'est-à-dire, en toute rigueur, ce n'est pas significatif, mais là, gardons-le comme hypothèse, éventuellement à confirmer avec d'autres données. C'est du bon sens ce que je vous dis là. C'est un peu difficile, déjà pour des gens expérimentés, c'est très difficile pour vous qui n'êtes pas expérimentés, mais ayez ce point de repère. Le point de repère, c'est la démarche, vous appliquez la démarche stricte. Mais sachez que de temps en temps, un peu d'empirisme éduqué ne nuit pas pour faciliter la vie.